je remets la clé pour la bonne gestion. Ça te casse. L'entreprise Pape V Africa, spécialisée dans la construction et les travaux publics, a remis jeudi 6 juin 2024 aux autorités politico-administratives du territoire de Beni le centre de santé Kassindi, construit dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Cet établissement sanitaire possède une capacité de 12 lits, une maternité, plusieurs salles de consultation et d'attente, une pharmacie et des installations hygiéniques. Ce centre prévoit d'organiser plusieurs services tels que la consultation prénatale, la maternité ainsi que le planning familial. La remise officielle de cet ouvrage a été faite en présence du délégué de Beseco une année après le lancement des travaux dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Pour la population bénéficiaire, à Kassindi, il y a carence de personnel médical qualifié. L'affectation de médecins dans ces nouveaux centre permettra le traitement de plusieurs cas complexes, notamment les interventions chirurgicales et la transfusion sanguine. Toutefois, ces habitants de la cité frontalière de Kassindi n'ont pas non plus caché leur joie. Wasiende tena kangauka, wasiende tena la frontiere, lakini cesarienne zote zifanyiziwe hapa. Tunasema asanti kwa hii projet yenye Papa Felix Tshisekedi aliweza kutuandalia. Tunamremercie sana. Na kwa jina na kwa sauti ya wamama wote, tunasema Mungu amubariki. Na amubariki sana, amuongeze nguvu njema, na kazi njema, na tena isikuwe mwisho. Il en est de même pour l'autorité sanitaire du secteur de Rwenzori. Nous pensons que ça va améliorer la prise en charge de la population. Au président de la République, je vous dis vraiment, je place mon mot de remerciement pour cette œuvre qu'il a songé à offrir pour la population de Kassindi. À leur offrant des centres de santé modernes. On a pensé que c'est vraiment positif parce que avec ces centres de santé, ça vient soulager la souffrance de notre population. Cette infrastructure moderne va résoudre plusieurs problèmes de santé dans cette partie de la République démocratique du Congo où l'accès aux soins sanitaires de qualité reste un casse-tête. Pour les représentants de l'administrateur militaire du territoire de Beni, les partenaires traditionnels du gouvernement congolais n'ont pas failli à leur mission, d'où la nécessité d'accompagner les programmes de développement local des 145 territoires. Pape V Africa, qui est l'entreprise de construction, qui a été sélectionnée par Beseco, qui détenait les fonds du gouvernement pour la réalisation des ouvrages de 145 territoires. Ils ont bien travaillé. Le projet est là, sur le projet impeccable. Nous promettons pouvoir accompagner ce programme aussi. Nous promettons pouvoir, comme autorité, pouvoir sensibiliser notre population à protéger cet ouvrage et à consommer les services de cet ouvrage. Construit à proximité de la route nationale numéro 4 et près du parc national de Virunga, le centre de santé Kassindi est un ouf de soulagement vis-à-vis de la population face à la précarité sanitaire qui s'illustre dans cette entité qui accueille plusieurs déplacés de guerre en provenance de milliers largement plongés en insécurité. Ou pour se faire normalement soigner, il fallait parcourir plusieurs kilomètres au risque et péril. Il convient de signaler en outre que les participants à cette activité officielle ont été conviés au partage des repas fraternels.